Bonjour, bonjour, chers tous, que Dieu te bénisse très abondamment. Eh bien, sache que dans la vie, c'est à toi de décider. Hélas, beaucoup de personnes pensent que leur avenir ressemble étroitement à ce que Dieu a résolu, ce que Dieu a arrêté. Non, c'est pas vrai. Ton avenir va ressembler étroitement à tes décisions présentes. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible ajoute, ce que nous aurons sur la terre sera lié dans le ciel. En d'autres termes, la télécommande du ciel est sur la terre. C'est pourquoi je voudrais t'encourager à prendre ta vie au sérieux. Ta vie n'est pas en jeu. Il ne faut pas jouer avec ta vie. Il faut te décider de la réussir. C'est fondamental. Il faut même migrer de la décision à la résolution. C'est important. Une décision qui te coûtera quelque chose, qui te donnera de payer un prix conséquent, mais surtout qui va changer radicalement ton panorama futur. C'est fondamental. La femme qui perdait le sang avait la loi contre elle. Elle avait pendant 12 ans dépensé tout son bien, mais elle s'est dit en elle-même, si je puis simplement toucher le vêtement de ce Jésus qui passe, je serai guérie. Observons que Jésus n'avait pas de plan de guérison pour elle. Il allait aller, il avait un autre programme, mais la femme a dit, aujourd'hui, mon programme, c'est de l'arrêter et de toucher son vêtement et d'être guérie. Elle est venue par derrière, elle a touché son vêtement et la Bible dit, Jésus a demandé, qui m'a touché? Parce qu'il s'est rendu compte qu'une force avait quitté, c'est-à-dire que la force a quitté le corps de Jésus sans son autorisation. En d'autres termes, quand ta décision a engagé ta foi, le ciel ne peut pas arrêter. Le ciel ne peut pas dire non. Non, Dieu va répondre étroitement à ta foi. Je voudrais donc t'encourager à prendre des décisions de qualité. Ne sois pas simplement de la foule, mais sois des personnes qui ont résolu de faire de l'impact dans leur génération, de glorifier Dieu, quel que soit le prix à payer. Avec cette résolution, cette décision de l'âme, je te garantis, tu vas générer une énergie incroyable et tu verras la main de Dieu t'accompagner sur le chemin de ta destinée. Passe une incroyable semaine. Que Dieu te bénisse abondamment. Mais surtout, prends de bonnes décisions. Que Dieu te garde. Pour te servir, rends-le fou. Au revoir. Bye bye. Suivez le Révérend sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code.